Il n'avait plus mis les pieds sur les terrains de la Gaillette depuis 6 ans, c'était en tant que joueur. Ce matin, l'entraîneur Jean-Guy Wallem a dirigé sa première séance. Vous connaissez en tant que joueur. Je pense qu'aujourd'hui, on m'attend en tant qu'entraîneur. Donc j'ai une crédibilité à mettre en place et c'est passé par aujourd'hui sur un discours dans le vestiaire, comme j'aurais dit, parce que c'est là que l'histoire va se construire et va se passer. Si l'effectif du Racing est toujours en construction et sera chamboulé d'ici peu, l'objectif, lui, est clair, la remontée immédiate en Ligue 1. Objectif partagé par les supporters, même si tous n'ont pas le même optimisme. Content de retrouver les joueurs, content de voir Eric Schell, Romain Sartre qui sont arrivés, avec un bon état d'esprit. On ne peut pas être confiant quand on voit l'effectif qu'on a actuellement. Quoi. Donc ils sont partis. C'est ça. Hein. Comme il y a là, on sait que c'est le retour de l'entraînement, ils ne sont même pas là. C'est quand même un peu bizarre. Chacun aura donc son avis et chacun pourra juger sur pièce aussi, puisque le club a décidé de rompre avec le huis clos lors des entraînements. De retrouver la convivialité qui existait en 98, en 99, et puis que le public puisse aussi s'associer aux valeurs des joueurs. Donc moi, je pense que c'est un bien. Romain Sartre et Eric Schell, les deux premières recrues, ont déjà pu se rendre compte de la ferveur qui entoure le club. Ferveur qu'il conviendra de ne pas transformer en déception.